première émission de Passion NAC Aube et de la Chronique des Reptiles. Nous avons souhaité vous présenter ensemble différents reportages portant bien évidemment sur les nouveaux animaux de compagnie. Et on a associé la page Facebook La Chronique Reptile qui est gérée par Rudy et Passion NAC Aube qu'on gère tous les deux afin de vous proposer un meilleur éventail des différents animaux que vous pourrez rencontrer ou des différents intervenants. Rudy, bonjour. Bonjour David. Donc tu gères la page Facebook La Chronique Reptile. Tout à fait, ainsi que YouTube, une page ainsi que YouTube, et puis tu participes à la rédaction de Passion NAC Aube. Première question, pourquoi les NAC? Pourquoi? C'était pas une passion depuis plusieurs années, c'est venu progressivement. C'est des animaux qui sont fascinants. Je pense que même les gens qui ont très peur des reptiles, même des serpents, je pense que quand on tombe sur une émission, on a tendance à rester un peu sur la chaîne parce que voilà, c'est des animaux fascinants. Et je me suis rendu compte que quand on apprend à connaître ces espèces, on se rend compte que c'est pas forcément des animaux qui sont dangereux ou qui sont désagréables à maintenir, bien au contraire. Donc voilà, cette fascination a fait que j'en suis venu à une passion et que voilà, maintenant j'ai plusieurs espèces. Alors justement, tu as plusieurs espèces, tu as quoi dans ta salle d'élevage? Parce que tu as déjà proposé sur ta page Facebook La Chronique Reptile, une présentation de ta salle d'élevage. Qu'est-ce que tu as dans ta maison, dans ta salle d'élevage? Alors, je vais avoir des serpents principalement. C'est les espèces que j'ai en majorité. Et t'aimes bien les serpents asiatiques, il me semble. Ouais, c'est un caractère un peu plus speed. En revanche, c'est une espèce qui m'attire. J'aime bien ce qu'on voit pas trop dans la terrariophilie. Je vais avoir notamment de l'amphibien, donc des grenouilles. Un Ned de White que tu as voilà, présenté déjà. L'éditorial où j'ai fait une vidéo. Je vais avoir beaucoup de lézards, donc une espèce qu'on va voir aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que tu souhaites nous présenter aujourd'hui? Donc c'est le Chlamydosaurus kinji. Chlamydosaurus kinji, voilà. Appelé plus communément le lézard à collerette. On se retrouve tout de suite pour une présentation du terrarium. Nous allons vous présenter le terrarium que Rudy a réalisé pour accueillir ces lézards à collerette. Il se trouve juste derrière nous. Rudy, dis-nous un petit peu ce que tu... Pourquoi, où, quoi, qu'est-ce, etc. Déjà, il me semble qu'il y a deux sortes de lézards à collerette. Ouais, il y a deux sortes de lézards à collerette. Il y a les lézards à collerette donc qu'on va trouver en Nouvelle-Guinée, donc qui va être dans tout ce qui va être forêt tropicale, et il va y avoir une espèce en Australie qui va être plus sur un biotope un petit peu plus sec en fait. D'accord. Donc l'australien c'est un biotope désertique. Voilà, ce couple-là, c'est un biotope tropical. Tropical, d'accord. Alors explique-nous le substrat pour commencer. Alors premièrement, donc la taille du terrarium, donc là c'est un terrarium provisoire, parce que à savoir que quand on prend un Chlamydosaurus, il faut quand même pour un couple un terrarium de 2 mètres sur 2 mètres avec 1 mètre de profondeur, c'est ce qui est préconisé. Voilà, maintenant c'est vrai, comme tous les arts, ça bouge pas trop. Là ils sont dans un terrarium provisoire. Donc au niveau du substrat, j'utilise de la terre tout simplement qu'on peut trouver en animalerie. C'est des petites briques compactes où je vais mettre un premier fond avec des billes d'argile pour drainer, ce qui va me permettre de garder une bonne hygrométrie. Et tu sépares bien la terre de... Voilà, le mieux c'est de mettre... Alors ce qui est bien c'est de mettre une petite moustiquaire, voilà, pour faire vraiment une coupure. Champ horticole aussi. Voilà, tout c'est pour éviter vraiment que les espèces qui sont un peu fouisseuses remontent les billes d'argile. Donc voilà, ce substrat il me sert notamment à garder l'hygrométrie. On va dire 70% à peu près tout le temps. Tu pulvérises un peu parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de pulvérisateur. Ouais, je le fais manuellement, un petit coup le matin et un petit coup le soir. Pour augmenter un peu l'hygrométrie, mais sinon j'arrive juste avec la terre à obtenir 70% sans problème. D'accord, donc tu disais 2 mètres par 2 mètres parce que ce sont des animaux qui aiment bien escalader, c'est ça? Voilà, ça, bah, comme on le voit sur la branche, ça vit 85% de son temps sur une branche. Ça dort comme ça, ça descend vraiment que pour chasser. C'est vrai qu'il faut mettre le moins de choses possible au niveau du sol.
parce que c'est un peu des bulldozers, ils ont tendance un petit peu à tout écraser et ils viennent en bas que pour chasser. Donc, D'accord, parce que dans ce terrarium-là, tu as que des plantes naturelles. Ouais. Et ça permet de reproduire vraiment le biotope complet, de refaire un voilà, fonctionnement. Il y a des avis variés là-dessus. Moi, je sais que je suis plus naturel que synthétique. Que ça. Donc, on a vu la taille du terrarium, le substrat, les plantes, nécessité d'avoir des branches pour qu'ils puissent escalader. Ouais. Un bac d'eau. Important à changer l'eau quotidiennement ou tous les deux jours à surveiller. Le clamy fait ses besoins dans l'eau. Bah, 9 fois sur 10 ça va être dans l'eau. Donc voilà, pour éviter tout développement de bactéries ou que la bête tombe malade, important de bien surveiller le bac d'eau. D'accord. Dernier petit point, le chauffage. Chauffage, un petit point chaud entre 30 et 35. Petit point chaud entre 30 et 35, tu as choisi quel type d'ampoule pour ce terrarium provisoire? Celle-ci, c'est de la marque SunGlow. C'est une 125 watts. D'accord, qui fait chauffage, chauffage et UV. Et UV. Ouais. Les UV sont très importants pour les lézards, hein, je ne vais pas vous apprendre ça. Donc, on reviendra dans une prochaine émission sur la qualité des ampoules. Vous aurez quelques surprises. Ok, est-ce qu'ils sont facilement manipulables? Oui. Alors après, on va sortir le mâle. Les clamis, c'est vrai que ça apprécie pas spécialement, en même temps comme tout reptile, les manipulations. En revanche, il apprécie d'être nourri à la main. Il boit à la pipette aussi. Mais voilà, il n'est pas non plus friand des manipulations. C'est pas ce qu'il préfère. C'est le mâle. C'est un mâle. Ouais. Il a 2 ans et demi. Donc il va encore un petit peu pousser, hein. Après c'est un bon mangeur. Oui, d'ailleurs tu laisses en permanence à disposition pour tes lézards à collerette, grillons, etc. Voilà, aussi parce que j'ai récupéré une femelle qui ne s'alimentait pas, pas toute seule, donc pendant plusieurs mois il a fallu l'habituer à manger. C'est pour ça qu'il y a aussi les grillons en constance. Reproduction, t'as déjà essayé? Non, pour la raison aussi de la femelle, qui est assez jeune et qui n'a pas le... elle est en bonne santé, mais elle n'est pas encore assez costaud pour les repros. On verra d'ailleurs les reproductions tout à l'heure. Rudy vous présentera un petit PowerPoint sur le Chlamydosaurus kinji et sur ses spécificités, sur la localisation exacte, quelque chose d'un peu plus scolaire. Ok. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On va tout de suite passer sur le PowerPoint. Entre guillemets, nous allons vous présenter le Chlamydosaurus kinji. J'avoue que l'image qui est en face de moi avec l'écriture, c'est plus facile à retenir. Alors, Rudy, on t'écoute sur ton lézard à collerette. Alors, premièrement, on va voir un petit peu le nom du Chlamydosaurus qui vient du grec chlamys, qui signifie cap. Le nom de l'espèce kinji fait référence au petit monsieur qui est sur le timbre en haut à droite, qui était donc Philip Parker King, qui était un amiral de la marine et qui fut l'un des premiers explorateurs des côtes australiennes. Il est souvent représenté, on a pu constater, par les aborigènes, notamment dans certaines peintures traditionnelles. Alors, le Chlamydosaurus, en gros, c'est un lézard qui fait partie de la famille des Agamidés, qui vit dans deux régions bien distinctes, comme je vous le disais tout à l'heure. Un qui vit dans la savane australienne. Donc, c'est pas le cas des de ce qu'on a vu, et l'autre qui vit dans la forêt tropicale de Nouvelle-Guinée. Voilà. D'accord. Ce qui est le cas, d'où l'importance de gérer l'hygrométrie sur l'espèce que tu maintiens actuellement, alors que, bien évidemment, la savane australienne, je suppose que le substrat va être un différent. Petit peu différent. Donc c'est un lézard qui atteint une taille d'environ 90 cm pour les mâles et 60 pour les femelles. On a pu voir certains spécimens aller jusqu'à 1m60, mais ça reste des cas vraiment très rares. Et on va compter un poids d'environ 500 grammes. Alors, au niveau du biotope de la Nouvelle-Guinée, donc on voit que la Nouvelle-Guinée se situe juste au-dessus de l'Australie. On va avoir une température en point chaud d'environ 35 degrés avec un point froid de 28. Le jour. Voilà, le d'accord. jour. Et la nuit donc. Voilà, la nuit on va être entre 26 à 22 degrés.
Et là où c'est important, c'est au niveau de l'hygrométrie, puisque là on va avoir une hygrométrie de 70. Là j'ai noté effectivement 80, mais on peut même monter jusqu'à 90% d'hygrométrie. Est-ce comme pour les dendrobates ou pour tout ce qui est rainette, tu fais des saisons des pluies ou... Non. Moi j'en fais pas spécialement. Après effectivement le... Au niveau de la période de repos de l'hiver, je vais abaisser un petit peu l'éclairage. Hein. D'accord. L'éclairage UVB, UVA, comme vous pouvez voir sur l'image, voilà. Qui est indispensable pour éviter les problèmes avec tout ce qui est le calcium. Et... Ensuite, au niveau, donc là, c'est le biotope d'Australie. Donc là, on voit effectivement, rien que par la photo, que ça ne va pas être du tout le même biotope. Au niveau des températures, en revanche, ça va être à peu près pareil. Ce qui va changer, c'est l'hygrométrie, où là on peut avoir une hygrométrie beaucoup plus sèche, entre 30 et 70%. Alors, au niveau de la morphologie, donc le chlamydosaurus, donc la chlamyde ou la collerette, se déploie via des baleines en fait, qu'on va voir dans la photo juste après. Et il les déploie lorsqu'ils se sont agressés ou... Voilà. Alors d'accord. Ça va être surtout de l'intimidation quand il va rencontrer un autre mâle. Il y a aussi une hypothèse, mais on n'en est pas sûr, ça permettrait aussi de se ventiler. D'accord. Mais on n'en est pas sûr. En tout cas, voilà, c'est sûr que quand il déploie sa collerette, puisque ça peut avoir une envergure jusqu'à 30 cm. Sur les espèces de base, comme tu disais, 90 cm, 60 voilà. cm. Ça va être vraiment un système pour impressionner son adversaire. Autre chose, il a des canines assez importantes qu'on peut voir sur la petite photo en haut à droite. Donc on va regarder directement le squelette. Voilà, donc on peut voir en dessous des canines, les deux petites baleines qui permettent donc de déployer sa collerette. Il escalade facilement tout ce qui est arbre. Ouais. À savoir que les chlamys, ça a des griffes très acérées et ça grimpe facilement. D'ailleurs, il dort à la verticale en fait. Est-ce que tu as déjà essayé? Bon, nous on habite dans un département qui est pas favorable au niveau des températures du soleil, mais en période d'été avec des fortes chaleurs, est-ce que tu as déjà essayé de les positionner dehors? Ouais, alors ça m'arrive quand il fait très chaud l'été, je les mets un petit peu dans le jardin. Je surveille énormément parce qu'à savoir que le chlamydosaurus, c'est une espèce qui court très vite et notamment qui court sur deux pattes. On va le voir après, je rajouterai une petite vidéo là-dessus. Question piège, tu as une idée de la vitesse qu'elle peut courir un chlamydosaurus? Non, j'ai pas la vitesse. Vous le retrouverez dans les commentaires de la vidéo. Je la rajouterai dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. De toute façon, on le verra sur la petite vidéo que je mets juste après. Alors, donc. Les points forts de la morphologie, donc ce qu'on disait, la collerette qui lui permet d'effrayer ses prédateurs et semblerait-il de se ventiler. Les griffes acérées qui lui permettent de se protéger des prédateurs en grimpant dans les arbres. Et donc, comme je vous disais, le fait qu'il court sur deux pattes. Au niveau de l'alimentation, comme beaucoup de lézards, ça sera principalement des grillons, criquets, des vers, tout style de vers. Comme pour tous les reptiles, il est important de diversifier l'origine de son alimentation et de complémenter en calcium et en vitamines de manière appropriée. Comme on l'a souligné lorsqu'on présentait le terrarium de Rudy, les ampoules qui sont utilisées dans la majeure partie du temps dans les terrariums n'apportent pas la quantité suffisante d'UV pour éviter les problèmes au niveau du calcium, au niveau de nos reptiles. Voilà. Et en revanche, on peut aussi le nourrir de... donc dans la nature, ils peuvent se nourrir d'oisillons et on peut leur donner volontiers une fois par semaine un petit souriceau. Quoi. Ça mange volontiers des petits rongeurs. Pas de légumes? Non, par contre, c'est... aucun légume. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, au niveau du terrarium, l'idéal pour un couple, c'est 2 mètres sur 2 mètres sur 1 mètre de profondeur. Ça c'est le mieux, avec vraiment le moins de choses possible au niveau du sol. Le substrat va forcément varier selon la localité. Le chlamydosaurus d'Australie, lui, va être un substrat composé donc de sable, de terre
et on peut mettre des plantes naturelles. Forcément, un abreuvoir de petite taille, ça va être nécessaire. Petite taille pour la simple bonne raison, si vous mettez un bac d'eau trop grand, forcément l'hygrométrie va monter. Et au contraire, donc le clamy de Nouvelle-Guinée, lui, sera plus un substrat composé voilà, de terre, de mousse et de plantes, et comme pour les deux espèces, de branches verticales, pour qu'il puisse se réchauffer et dormir. Tu mets les branches verticales juste en dessous de la lampe chauffante et UV volontairement ? Voilà, j'en mets. Alors le mieux, c'est d'en mettre une vraiment côté point froid point et froid, une assez chaud. Proche de la lampe chauffante. Ok, et comme on a vu dans ton terrarium, pas besoin d'avoir de cachette spécifique non. pour limiter le stress moi, dans cette espèce-là. Moi, j'en utilise pas. Après, c'est vrai que comme il y a des plantes naturelles, quand ils ont besoin de se cacher, ils ont tendance à se mettre derrière ou autre. Donc voilà, quand ils sont petits, il faut vraiment mettre le maximum de décoration. Parce que comme je vous disais, petits, ils sont vraiment sujets au stress. Mais en grandissant, on le voit qu'il n'y a plus de raison. De toute façon, le clamy, c'est très simple. Dès qu'il est stressé, il ouvre sa collerette. Donc au moins, tu sais s'il est bien ou pas. On le voit tout de suite. Voilà, une image donc d'un terrarium de savane désertique pour l'espèce d'Australie. Alors juste, oui, une petite chose. Tu conseilles de laisser le fond exoterra sur les... Non. Alors comme j'avais dit aussi sur une vidéo, donc sur les fenêtres, ça c'est venu au fur et à mesure des années. Je retire maintenant pour les terrariums exotera, les décors, je vais venir les glisser derrière le miroir parce que les grillons, les verres ont tendance à d'une passer en dessous où il y a le passage pour les câbles et notamment de grignoter le polystyrène. Au final, on se retrouve au bout de 2 ans avec un décor complètement rongé, donc c'est mieux de les enlever. Tout à fait, je pense qu'on a été nombreux à commettre cette erreur-là et à retrouver un élevage de grillons derrière le décor. C'est un peu ça. Au niveau du terrarium tropical, voilà, donc ça c'était le terrarium comme il était fait avant, hein, c'est le même, sauf qu'il y avait le fond et sur les côtés. Okay. Voilà, les plantes naturelles, rien de plus. Donc comme on disait tout à l'heure, le clamy il est assez craintif, donc surtout juvénile. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est manipulation. Si on veut vraiment l'habituer, on va dire entre guillemets l'apprivoiser, vaut mieux voilà, privilégier tout ce qui est nourriture à la main, donner les verres à la main, les grillons, ça il le prend sans problème. Et notamment la cohabitation est conseillée parce que ce sont des animaux très sociables, donc vous pouvez mettre un mâle avec plusieurs femelles. Au niveau de la reproduction, un bref point, parce que j'ai pas eu encore l'expérience personnelle de la reproduction. Donc apparemment c'est quand même assez facile à reproduire. Faut forcément que les espèces soient âgées minimum de 2 ans et qu'ils aient une bonne condition au niveau santé. Surtout au niveau calcium, je suppose que voilà, faut quand même... les femelles gestantes tapent entre guillemets dans leur réserve de calcium. Ouais. C'est un peu comme pour les gécoléopards, je suppose. Il faut pas hésiter à leur donner des souriceaux ou ouais, des choses comme ça une fois qu'elles sont les gaver avant la période, qu'elles soient vraiment en forme, voilà, qu'elles soient en bonne santé. Ce qui est important aussi, ça va être donc de faire une petite période de repos d'environ 6 semaines où on va légèrement baisser l'hygrométrie. Alors la baisser, on va pas la baisser à 20%, hein. On va la baisser un tout petit peu. Et au bout de 6 semaines, on va rétablir les paramètres normaux et on pourra voir à ce moment-là le mâle faire la cour à sa femelle. Au niveau de l'incubation, à la fin donc de la période des accouplements, une boîte garnie de vermiculite humide sera disposée à l'intérieur du terrarium. En hauteur ou au niveau du sol ? Au niveau du sol. Et une fois les œufs pondus, ils seront placés dans un incubateur dans une température entre 28 et 30. Et voilà, une hygrométrie proche de 100%, ça c'est un peu comme toutes les espèces. Et ça sera sur une période
d'environ 3 mois. Il n'y a pas d'impact sur la température comme pour certaines espèces, mâles, femelles? Non, du tout. Après, ce qui va changer, c'est forcément, ça mettra un petit peu plus de temps. Après, ça, c'est une autre politique d'incubation. Moi, je sais que je mets toujours sur d'autres espèces une température un peu plus basse. Je vais mettre quelques jours de plus, mais j'ai pu constater que les petits sont un peu plus robustes à la naissance. D'accord. Et voilà, et donc à un mois d'intervalle, la femelle pourra pondre trois fois environ une dizaine d'œufs. Voilà, donc au niveau du chlamydosaurus, c'est tout ce qu'on peut dire donc, sur la fiche de maintien. Cette première émission se termine. J'espère que ça vous a convaincu, que vous avez appris pas mal de choses. En ce qui nous concerne, on a pris beaucoup de plaisir et on peut déjà préparer un bêtisier d'au moins une heure. Les prochains projets, Rudy? Alors, prochaine vidéo, ça sera sur la législation, qui est assez important puisque notamment rien que par les tortues, beaucoup de gens sont hors la loi sans le savoir. Oui, il faut savoir que la législation en France est très cadrée. Donc n'hésitez pas, avant d'acheter un animal, à vous renseigner auprès de professionnels de l'administration, l'ONCFS, les services vétérinaires. N'hésitez pas surtout à vous renseigner. Comme Maudil dit, beaucoup de gens ont des tortues dans le jardin. En toute illégalité, il y a des consignes, il faut respecter un certain processus administratif avant d'avoir certains animaux. Voilà, et notamment une vidéo sur la présentation donc de en général de toutes mes espèces, donc du cheptel, voir un petit peu les serpents, voilà, un petit peu tout ce que j'ai dans la pièce d'élevage. Voilà un peu les projets que nous avons dans le cadre de cette série de reportages que nous lançons. Sachez que si vous aussi, vous avez une salle d'élevage, vous souhaitez présenter des animaux, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'ensemble des moyens sociaux qui sont mis à votre disposition. La page Facebook Passion Nacobe, la page Facebook La Chronique Reptile, le site internet Passion Nacobe. N'hésitez pas à nous contacter si vous habitez dans l'Aube et que vous souhaitez qu'on vienne avec tout notre matériel. On le fera avec plaisir. Voilà, et puis si vous avez des idées ou des envies de présentation d'espèces, n'hésitez pas à en faire part sur la chronique reptile. Merci et à très bientôt. And look at that. Since these guys don't prey on cane toads, frilled lizards are not endangered. Good news since they're one of my favorite reptiles. These trippy little creatures use their frill not just for defense, but also to regulate body temperature. Look how mad he gets. This is awesome. They're not very big animals, but when he frills his head out like that and gets on his back legs, he looks a lot bigger and a lot more intimidating than a normal sized lizard. And they're brave. What the hell? Ooh. Like, ooh, geez. Brent is 6'6", and this lizard ran onto him and intimidated him into submission. Wait, this is only venomous, or what's the deal? No, they're fine, don't worry about it. Oh, okay, good. I thought I was gonna die. Move him away. What it did is it ran off the road into the bush and then stopped, so it was relying on its camouflage. When its camouflage doesn't work, it's basically challenging everyone. In the camera lens, it can see its reflection. So it's looking at itself, and that's why it's getting so upset. And it's obviously scaring the cameraman a lot. What a cool lizard. I don't need anything from this guy, but he has made us laugh, an absolutely awesome find.